Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. C'est votre bien-aimée sœur Larissa Do. Et c'est avec une grande joie que je vous retrouve aujourd'hui pour vous annoncer une très, très bonne nouvelle. Cela nous fait pratiquement 2 bonnes années que nous nous retrouvons pour des temps de formation, de transformation et d'impact à travers comme un sérapeur. Sœur se demande, mais c'est quoi comme un sérapeur? En effet, comme un sérapeur est un temps de formation, de transformation et d'impact que le Seigneur a inspiré afin de se susciter une armée de chantres qui soient à mesure d'impacter dans l'exercice de leurs fonctions sur la base de Ésaïe chapitre 6. Ésaïe pouvait dire, au temps de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sous un trône très élevé et les pans de sa robe remplissait le temple. Des séraphins au-dessus du Seigneur proclamaient l'un à l'autre la sainteté de Dieu. Ce sur quoi le Seigneur a attiré notre attention, c'est l'impact qu'il y a eu au son de leur voix. La Bible nous dit qu'au son de leur voix, des portes furent ébranlées dans leur fondement. Au son de leur voix, la fumée a rempli toute la maison et la crainte a été semée dans le cœur. Vu ce passage, nous sommes aussi emmenés par la grâce de Dieu à impacter dans l'exercice de notre fonction en tant que chantre. Par la grâce de Dieu, au cours de ces 2 bonnes années, le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir 5 merveilleuses éditions au cours desquelles nous avons été bénis, nous avons été édifiés et au retour desquelles nous avons reçu des témoignages vraiment poignants, des témoignages puissants. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Alors pour cette 6e édition qui s'annonce, le Seigneur a mis quelque chose de particulier sur notre cœur. Le Seigneur a mis sur notre cœur de poser une action caritative. J'ai vraiment hâte de vous retrouver et je crois qu'à ce rendez-vous, le Seigneur est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Ne rate surtout pas ce moment. Que Dieu vous bénisse. Shalom.